Les porteurs de projets étaient invités ce mercredi matin à une réunion d'information organisée par la communauté d'agglomération La Riviera du Levant en partenariat avec la BGE Guadeloupe Île-du-Nord, ce label du réseau des boutiques de gestion dont le rôle est d'accompagner les créateurs d'entreprises afin de définir clairement leur stratégie entrepreneuriale. Une formation de groupe qui permettra à chaque créateur de bâtir son projet, de se préparer à son futur métier de chef d'entreprise et d'acquérir les outils pour créer et gérer son entreprise. Plusieurs dates de formation sont proposées. Une première session du 12 au 22 janvier au Gosier, une seconde du 24 janvier au 1er février à Sainte-Anne et une dernière session du 2 au 9 février à Saint-François. Chaque participant recevra à la fin une attestation de formation délivrée par la BGE. En général, un entrepreneur rencontre d'énormes difficultés à structurer, à mettre en place et à surtout pérenniser son activité. Donc ce sont des difficultés qu'on rencontre toutes les entreprises locales, notamment les très petites entreprises. Donc du fait que notre territoire est composé essentiellement de TPE, comme sur le reste de la Guadeloupe, nous avons, dans le cadre des différentes concertations que nous avons mises en place et depuis le mois de juin dernier, rencontrer un certain nombre de partenaires, rencontrer un certain nombre de chefs d'entreprise qui éprouvent ce besoin. Donc pour cela, nous avons conventionné avec des structures qui sont des professionnels de l'accompagnement. Donc il y a la boutique, la BGE Guadeloupe-Île-du-Nord, avec laquelle nous mettons en place cette opération aujourd'hui, ainsi que la DIE, qui s'agit pour nous de contribuer à la mise en place d'un tissu économique qui soit pérenne et qui soit dynamique pour leur permettre de développer leur activité. Première question. Que pensez-vous de mon idée? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que vous pensez que mon activité peut voir le jour? La deuxième, c'est mais les financements. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas un apport suffisant. Comment puis-je être aidé, le constituer? C'est toujours connaître les dispositifs qui existent. Donc nous, on est là pour déjà leur présenter tout ce qui existe aujourd'hui en 2018, puisque ça change également assez rapidement, mais aussi leur dire les préalables indispensables pour que, encore une fois, leur dossier puisse être accueilli le plus favorablement possible. On va, pendant 6 jours, donner les informations, également faire intervenir des experts sur la comptabilité, sur le juridique, et après, on leur donne accès à notre outil de réalisation de business plan. Et si par la suite, ils ont besoin d'un accompagnement individuel, c'est envisageable.